monsieur. Bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022 et c'est le démarrage de votre émission inclusive de... mais surtout décryptage de l'actualité. Et donc, on démarre tout de suite avec le plateau. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Eric Fokoussi, bonjour, téléspectateurs. Avec nous également sur ce plateau, Isabelle Carole Zoupette, bonjour. Bonjour, Eric Fokoussi, bonjour. Voilà. Également sur ce plateau ce matin, madame Moro Bengane, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Et donc, on va également vous dire bonjour, hein, Dominique, Audrey et Ben Grec. Bonjour Eric Fokoussi, merci de nous recevoir encore ce matin et bonjour aux téléspectateurs. Et donc, on va démarrer rapidement avec l'histoire du jour. Je viens ce matin poser le problème de mon grand frère et de sa fiancée. En fait, je suis en Tanzanie. Mon grand frère est en Angola pour un contrat de travail. Il devait prendre les congés après 2 années, mais à cause de la Covid-19, il y a eu un prolongement d'un an. La fiancée de mon grand frère est au Cameroun, sans enfant, avec le grand ni avec l'ancienne relation. Le problème qui se pose est qu'un ami de mon grand frère l'a contacté pour l'informer de ce que sa fiancée est en relation avec une personne que le grand frère connaît très bien et qu'elle est tout le temps dans les boîtes et les bars avec cet homme. Ces accusations ont été rejetées en bloc par cette fille et avec la pression du grand frère, la fille a cru qu'en avouant et demandant les excuses, ça allait passer et que c'était une ancienne relation. La fille elle-même a été mise en relation avec mon grand frère par l'intermédiaire de l'un de ses amis alors qu'il venait de se séparer de la mère de ses enfants. À ce jour, la dénonciation de cette fille plombe la relation. Mon grand ne veut plus entendre parler d'elle. Ça fait 3 années que cette fille attend que mon grand frère vienne l'épouser. Elle a essayé de faire le tour des membres de la famille pour demander pardon, pour qu'on l'aide, pour un arrangement. Mon grand frère est carré sur sa position. Il dit qu'il ne veut plus entendre parler de cette fille et que le membre de la famille qui essaiera encore de revenir lui parler de cette histoire, lui également, il va mettre cette personne en quarantaine. Cette fille habite notre maison familiale et mon grand frère exige son départ sans délai de la maison, faute de quoi il va lui porter tout type de coups pour trahison dès son arrivée au Cameroun. Comment gérer cette situation? Parce que je veux pour ma part que mon grand frère reste avec cette fille pour certaines raisons. Le fait qu'elle n'ait pas vécu, que lui-même n'ait pas été témoin de cette histoire, fait que moi je voudrais qu'il reste avec cette fille. Je me dis que certainement il est victime de jalousie, la fille n'a pas été enceinte et avec cette situation, elle cherchera du coup à soigner son image, à arranger la relation. Lorsque je pose la question de savoir à la fille, pourquoi est-ce que tu as dit à mon frère que effectivement tu avais une relation avec la personne, elle dit que c'est simplement parce que mon frère l'acculait, lui mettait la pression, donc elle a dit que si je lui dis oui, certainement il va passer dessus et il va me pardonner. D'accord. En tout cas, dis la vérité. Dis la vérité à ses conséquences. Il faut le dire ainsi. Bon, Bengane, c'est ça. Dis la vérité à ses conséquences. On va l'assumer. Oui, tout à fait. On dit, dis la vérité, le diable qui est derrière toi. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais on ne cache pas la vérité. C'est la manière de dire la vérité qui est important. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous dit, entrez à l'école de la tradition, vous apprendrez ces choses. Mmh. Non, ici, la fille, en question, c'est difficile, quand même, c'est difficile pour ce garçon parce que l'homme qui entretient des relations avec sa fiancée, ils se connaissent, ils sont ensemble. C'est difficile de l'admettre parce qu'il vivra des soupçons, même si la fille arrivait à rompre définitivement, il vivra que tu te dis, donc en fait il ne pourra pas dormir des yeux d'un sommeil profond parce que derrière ça il y a la trahison de la fille, il y a la trahison de son ami qui est un frère, donc une relation, un mariage qui n'est pas fondé sur la base de la confiance,
va causer problème toute la vie. Mais de l'autre côté, c'est ça où se trouve le vrai problème. Vous vous mettez, on vous met en relation pour un mariage qu'on prépare, on confie la fille à la famille. Je ne sais pas, bon, vous allez donc comprendre maintenant que contrairement à ce qui est développé, le mariage, c'est nous deux, j'ai mon cœur. Non, il va falloir que c'est l'environnement. Il y a beaucoup de choses. Le gars dit même que si un membre de sa famille venait à lui demander de il n'entendrait pas. Moi, je lui dis simplement, mon fils, ce n'est pas là. Il y a eu des hommes qui ont épousé des femmes qui leur ont donné les mulâtres. Ils n'ont pas divorcé. Ils ont continué. Il y a eu des hommes qui ont eu des femmes qui ont fait des enfants avec leurs propres frères, avec des amis. Ils n'ont pas divorcé. Précisément parce que, au-delà de cet acte d'infidélité, il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus consistantes. Maintenant, il s'agit de trouver ces choses-là. Est-ce que c'est une femme qui est faite pour le mariage? Est-ce que, et là, ce n'est pas vous seul. Parce que là, tu agis, je te tutoie, tu es mon fils. Tu agis au gré des humeurs, du cœur. Maintenant, où est le cerveau dedans? Et ton environnement a commencé par ta sœur elle-même qui te dit pardonne. Et tout ton environnement qui te dit pardonne parce qu'ils ont vu quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus positif. Et surtout, ils ont vu la sincérité de cette femme à ton égard et à l'égard de la famille. C'est un peu cela. Je te dirais de pardonner. Quand on dit pardonne, justement, ou alors supporter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. On ne supporte pas ce qui est bien. D'accord. C'est ce qui est mauvais qu'on supporte. D'accord. Isabelle Carole Zoupette, cette femme est pardonnable? Je crois que ça dépend simplement de son partenaire, de sa position et du fait que s'il accepte ou pas. Je crois que si la famille le dit et insiste, ça veut simplement dire que peut-être qu'il y a eu un dérapage de la part de la fille, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée fortuitement dans une autre relation qu'elle n'avait pas pensé à la base, qui est arrivée comme ça. Et je crois que on dit les erreurs sont grandes quand l'amour est petit, en fait. Les erreurs sont grandes quand l'amour est petit. Et les questions d'infidélité, il n'y a pas de réponse universelle. C'est-à-dire que ça diffère d'une personne à une autre. Mais je crois qu'en réalité, il vaut mieux être sincère. C'est-à-dire que si vous acceptez pardonner, acceptez réellement. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez plus d'elle, ben vous mettez simplement un terme à cette relation. Mais faites simplement le pour et le contre. Vous mettez les choses sur la balance et vous vous dites quel est l'intérêt à la garder, quel est l'intérêt à la laisser. Et quand vous verrez là où pèsera vraiment cette balance-là, je pense que le choix sera vite fait. Mais dans tous les cas, d'avoir une belle famille qui commence déjà à plaider pour cette fille, je crois quand même qu'elle a tellement de qualités en elle qui font que cette tache qu'elle a aujourd'hui sur son vêtement peut participer à pouvoir enlever cela tout simplement. D'accord. Charles Hamel, est-ce que vous comprenez l'entêtement de cet homme à vouloir arrêter cette relation? C'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas la tête. Il n'a pas la tête. Je crois que ce qui fonde le bonheur de toute famille, c'est l'appréciation de tout couple, c'est l'appréciation que les autres portent, que la famille porte. Une fille très appréciée par la famille est une fille qu'on gagnerait à avoir pour soi. Je crois que cette fille a compris la première règle qui voudrait commencer d'abord par te faire aimer par la famille avant toute autre chose. Personne, la perfection n'est pas de ce monde. Je suis désolé, la perfection n'est pas de ce monde. Elle a bien elle-même précisé, j'ai reconnu, me disant qu'en reconnaissant, ça devait rapidement faire avancer les choses. Dans toute querelle, il y a une personne qui doit être plus forte et une autre plus faible. Quand les deux veulent jouer au fort, à la fin, ça va finir par casser. Il y aura un qui sortira avec les plumes, qui va véritablement se faire plumer. Donc ici, je crois que la fille a bien fait. Je lui dirais, ne force pas, reste calme.
Un homme n'a jamais vaincu la masse. Surtout lorsqu'elle est familiale. Un homme n'a jamais vaincu la masse. Reste calme. Continue à entretenir ta famille. S'il faut même partir, libère la maison. C'est pas chez toi, encore que c'est la maison familiale. Libère la maison. Va rester tranquillement dans ton petit coin. Garde le lien. Lorsqu'il viendra, aujourd'hui, il joue sur le principe parce qu'il est très éloigné. Il n'est pas là. Il est là où il est. Toi, tu es de ce côté avec la famille. Lorsqu'il viendra, arrange-toi seulement à être avec des tantes assez influentes. Garde la relation. Je crois qu'elles seront lui faire entendre raison. Mmh. Alors, Dominique Audrey, on voit très bien que la tendance pèse hein, sur ce plateau. Je tombe d'un arbre. Voilà, sur... j'étais certain de ça. Je suis sur oui. Une lettre. Ah, oui. Vous comprenez ce que je dis, je tombe des nues parce voilà. Que... Aujourd'hui, on est en train de célébrer une femme... Qui est infidèle? On ne l'a pas célébré. Ah bon? Je suis moi dépassée. Personne ne l'a fait. Donc, non. Non, mais, non, mais si ce n'est pas célébré, mais au moins il y a une indulgence. Au moins il y a une indulgence. Non, au moins il y a une indulgence. Oui, on pourrait comprendre. Vous savez, on ne peut pas vaincre la masse. Vous savez, quand une femme a gagné le cœur de la famille, même si elle a les jambes légères, on peut comprendre. C'est waouh. Je suis comme oui, vous. Oui, les qualités d'une femme à épouser. Les qualités d'une femme qu'on a dans sa famille, c'est la capacité justement à celle-ci à contenir sa libido. D'aucuns diront que non, on ne devrait pas dire ce genre de choses à la télé, mais lorsqu'on a des relations à distance, aujourd'hui, les choses ont fait qu'on a des palliatifs pour gérer des besoins physiologiques. Mmh. Vous comprenez ce que je dis? On en avait dans la tradition africaine et occidentale, ces choses-là. On condamne. Mmh. Mais on pratique. Et là, on ne trompe pas. On ne trompe pas. On n'a jamais trompé quelqu'un avec un bout de plastique. Ce n'est pas une infidélité. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette femme, dans tous les sens du terme, moi qui suis contre les séparations et tout ça, je dirais que non. Non, on ne peut pas la garder parce que son infidélité, elle l'a faite avec quelqu'un, une ancienne relation. Donc, vous êtes un homme, vous dites, bon, moi, je m'en vais à Bafoussam, je vais m'installer à Bafoussam désormais pour chercher l'argent pour toi, ma chérie, vraiment, reste ici à Yaoundé, je te confie à maman et à mon oncle, là, si tu as un besoin, appelle-les d'abord, moi, je vais me chercher de l'autre côté. Et elle reste avec son bon petit gars de Yaoundé, bon, comme Eric n'est pas là. Pourquoi c'est moi que vous choisissez? Votre prénom me plaît, c'est tout. Ah. Comme Eric n'est pas là... et que toi tu es là, tu es le pompier. Lorsqu'il y a le feu, éteins le feu. Mmh. Lorsqu'il y a le feu, éteins le feu. Ça montre que cette femme n'a jamais été sérieuse dès le départ. Mmh. Ce n'est pas une infidélité qui tombe simplement sous le coup d'un besoin qu'on n'arrivait pas à assouvir. C'est une relation qui ne s'est jamais terminée. Et le monsieur aujourd'hui est vert de colère parce qu'il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à accepter. Donc ça, vraiment, mais il n'a que... pas. Est-ce que. On va contourner la non, mais est-ce qu'il ne peut pas prendre en compte le fait que sa fiancée lui est avouée, elle aurait pu rester sur ses positions. Elle a d'abord nié, non? Oui, mais elle aurait pu rester sur ses positions et dit que rien ne s'est passé. Alors qu'on aurait certainement fourni les preuves. On vous dit qu'on les a vus à plusieurs... C'est une relation connue. On les voit à plusieurs reprises s'exposer, s'amouracher, faire des trucs compliqués partout dans la ville de Douala où Yaoundé choisissait la ville qui vous plaît. C'est vous qui rajoutez ou c'est l'histoire qui... Non, on les voit. La personne qui appelle le fiancé, Ambeng, lui dit que ta go que tu as laissée ici, la sort avec telle, que tu connais très bien. Donc, ça veut dire qu'on les a vus. Et je suis surprise qu'aujourd'hui, on ne trouve pas les mots pour dire à cette femme, fermez vos jambes si vous voulez qu'on vous épouse. Oui. Fermez-les. Utilisez autre chose, mais ne trompez pas votre mari. Vous vivez dans la maison de vos beaux-parents, mais vous sortez la nuit, vous dormez dehors. Où est le contrôle familial dont on parle? Où est le respect? Aujourd'hui, ça veut simplement dire, elle se rapproche des tantes à qui elle va donner un vernis gel, elle va donner une paire de barbouches, les barbouches des influenceuses là. Oui. Et après, on va fermer ouais, la pour bouche. Corrompre, voilà, et après, ouais. Quand il y aura un problème, on va dire que ouais, toi aussi Charles, toi aussi. Une bonne fille comme ça, elle ne répond jamais, elle est toujours à la maison, toi aussi et tout. Non. Alors qu'on se fout de vous? Non, non. Bon, vous voulez rebondir, allez-y Bombok, oui. Lorsque les Bantous disent qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme, c'est sur la base de quoi? Lorsque même l'un de nos fils qui avait vécu ça, Francis Bébé,
Il a écrit un livre, il a sorti une chanson, Le fils d'Agatha Moudio. Mm-hmm. Il voulait dire quoi? Justement, c'est cela. Quand on vous dit que dans le mariage, ce n'est plus je t'aime de tout ça, tu ne m'as pas gardé. Le dernier anniversaire, tu m'avais offert une chaîne en or aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le mariage, la femme peut penser que ses rideaux de la maison de son vieil sont plus importants que la chaîne plaquée or que vous allez lui offrir. Elle dit, chérie, ça aurait été mieux de donner, de garder 10 000 pour qu'on achète les rideaux. Parce qu'on est là dans le sens du devoir. Et pourquoi, je termine par là, les prétendants ne parlent pas pendant la dot. Parce que en fait, le mariage ne vous concerne pas. On vous met ensemble pour pérenniser les descendances, pour continuer d'enraciner les descendances. Qu'est-ce qui est donc primordial? Donc, c'est différent d'une femme qui est palapala. Et ici, cette tante ne la doute pas parce qu'elle va donner des vernis. Non, nous, on ne connaît pas votre matériel. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas. Elle vit avec la famille. Bon, j'ai quand même une question à vous poser. Hein. Est-ce que ce que vous dites là est synonyme de dire que les femmes peuvent tromper, il n'y a pas de problème? Non, non du tout. Non, je pose la question. Je dis, est-ce que ça se dit? Ils avaient quand même un terrible pour un quand même. Qu'est-ce qui, oui. Oui. Qu'est-ce qui amène un homme, oui, à épouser une fille qui a déjà fait deux enfants, voilà, avant d'aller en mariage? Voilà. Mais est-ce, et on dit aussi, dans le bantou dit, un mariage avec enfants ne finit pas. Oui. C'est ce qu'on appelle complexité. Je vais épouser une femme qui a déjà fait deux enfants, peut-être même avec deux hommes différents. Mais on a vu en elle les qualités de Bombok. Dans la tradition, dans la culture, tradition bantou, selon cette culture, comment se gère une femme infidèle? Justement, oui, c'est ça, Charles Amel a dit. Quand une femme infidèle, la première chose qu'on vous dit, on me dit, mettez le doigt dans la bouche. Enlève. Quand tu mets le doigt, tu enlèves. On dit, qu'est-ce que tu as? Tu dis, mais rien. Ok. Voilà. On dit, ça ne demande pas à la femme d'aller. Et qui pose la question généralement, c'est ton papa. Ça ne change rien. Non, je veux dire, le savon, ça maintenant, femme est récupérée. Donc, vous dites, comment on gère? Je dis, votre papa vous dit d'abord que on n'a rien enlevé, si c'est seulement sur le plan de réchauffement qu'ils ont eu là. Maintenant. Maintenant, la maman qui va léguer sa cuisine à cette fille infidèle, oui, a vu des choses. Et ce sont ces choses-là pour la maman, parce qu'elle va te dire, comme tu as la machine à calculer là, la prochaine fille que tu vas prendre et dont on ne verra pas les infidélités et qui t'apportera un enfant qui n'est pas de toi, tu fais comment? Voilà les questions existentielles qu'on pose. Ok, voilà. Bon. En tout cas, Charles Amel, moi je pose la même question. Hein. Comment se gère justement une femme? Non, oui, allez-y, je vous en prie. Nous n'avons pas voulu entrer plus bas. Si vous voulez que nous arrivions au niveau de nous sommes là pour ça. Allons-y. Pourquoi? Comment est-ce que cet homme entretient la sexualité de sa femme, lui étant absent? Comment est-ce qu'il l'entretient? Étant absent. Comment il n'est pas présent. Comment l'entretient-il? Comment cajole-t-il sa femme, ou prépare-t-il psychologiquement sa femme à son retour? Vous avez des gens qui tous les soirs appellent de 22h à minuit, c'est son heure, il dit je vais t'appeler tous les soirs, et tous les soirs quand il rentre, vous causez jusqu'à 1h, 2h, il se rassure, en moins près de bonne nuit, à 6h avant de sortir, il t'a appelé pour te dire mais voilà ce qui va. Quels sont les mécanismes qu'il a mis? Je trouve que cette fille avait un laisser-aller pas possible. Ouais, bien qu'étant dans la belle famille, elle a laissé aller. Parce que si une fille se permet de sortir à minuit, à 22h, ça veut dire qu'il y avait un laissé aller. Un laissé aller. Vous avez pris la parole tout à l'heure, vous n'avez pas dit ça. C'est vous qui voulez qu'on commence à. Oui, bien sûr. Allez-y, Charlamel. Le bout le plus beau. Une femme qui entre dans une famille commence par les membres de la famille et s'éloigne de l'homme. C'est pas là où je suis entré. Et cette fille a joué son jeu, elle a réussi. Aussi coupable soit-elle, elle a joué. Elle a pris tout le monde par les sentiments. Elle arrive chez Tata Isabelle, elle lave les habits, elle nettoie le sol, elle prépare à manger, elle sert, elle lave les assiettes, elle range la cuisine.
Elle est posée, oui, tata, et tout. Elle va chez tonton Pierre. Elle arrive chez tonton Pierre. Elle est casée, elle fait à manger, elle scie les chaussures, elle est très serviable, elle fait les commissions. Elle va chez grand-mère X, elle accompagne au champ. Elle a joué son jeu, elle a pénétré. La fibre sentimentale est la plus importante. On se dit dans la famille, si on a une fille qui est aussi serviable, pourquoi ne pas pardonner son erreur. Voilà là où nous, on intervient. On nous a souvent ramené le cas de filles insolentes, infidèles, qui manquent de respect. Chassez-la. C'est notre réponse. Donc, on ne pensait pas qu'on va changer. On ne peut pas changer sur ce mais point. Mais elle a dit, non, on ne peut pas changer sur ce point. Non, au moins, on va dire, chassez-la. Non, au moins, je reconnais votre cohérence là-dessus. Oui. Chassez-la. On va dire, chassez-la. Mais celle-ci a pris M. Fopoussi, la famille, par le fond, elle a réussi à capitaliser. Regardez que même le frère dit que oui, je ne veux pas qu'il chasse. Je veux qu'il reste avec cette fille parce qu'on a trouvé cette fille. Ça suppose que les précédentes relations de cet homme lui ont laissé des séquelles qu'il a refusé d'effacer, des séquelles qu'il a refusé d'éradiquer. Il a décidé de vivre avec ces séquelles qui le suivent dans sa prochaine relation. Donc il va devoir faire table rase. Et pour ce faire, ce n'est pas habiter à l'extérieur. Un autre fait qui m'a choqué et qui me choque dans cette histoire, c'est qu'il a dit, celui qui veut essayer d'entrer, il a dit, je vais le mettre... Un membre de la famille qui essayera de venir, faire pas de raison, je vais le... Que ça tombe dans l'oreille du chef de famille, voilà. Je vous bannis. C'est moi qui vous bannis le premier, en disant, celui qui vous adresse la parole, on le chasse, moi on le chasse de la famille. Parce que vous n'avez aucun être humain n'est supérieur à la famille. La famille prime, la preuve, on vous a donné un nom. On vous a amené à l'école sans votre désir. On vous a habillé, on vous a lavé, on vous a langé, on vous a nourri. On a décidé de vous avoir que vous soyez ce que vous êtes. Donc, monsieur, on ne peut pas vous lever. Qu'il se calme, c'est la colère, il est loin. Quand il va arriver, qu'elle maintienne le même jeu avec les membres de sa famille et qu'elle lui dise, la sexualité, une femme, quand vous rencontrez une femme qui a une sexualité hyper active, vous ne pouvez pas la contrôler avec, en la jetant dans votre famille, en la jetant chez si, en la jetant... Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Une seconde, Dominique Audrey, Isabelle Carole. Si le mot pardonner existe, c'est pour que des fois on essaie de l'employer. La pertinence dans cette histoire, c'est qu'on a une femme qui a réussi à être infidèle, mais on a une belle famille qui dit... Oui, elle l'a fait, mais on la garde. Mais je crois qu'il faut écouter quand même l'histoire. Allez, que toute la famille dit oui, elle a péché, mais on la garde. Mais le jeu vient faire si quoi, la famille, si toute votre famille se lève pour vous dire ok, d'accord, oui, elle a péché, on la garde. Je crois qu'il faut réfléchir par deux fois. Oh, mais la famille n'a qu'à l'épouser. La famille n'a qu'à l'épouser. La famille n'a qu'à l'épouser. Permettez, la famille vit cette femme. Parce qu'en réalité, ils devaient être les premiers à la répudier. La famille la vit. La famille la voit à son réveil. La famille la voit au coucher. La famille observe ses faits et gestes. Et se dit, si elle le fait pour nous, qui ne sommes pas sa moitié, qu'est-ce qu'elle fera pour sa moitié? Donc, on voit qu'il y a tout intérêt à la garder. Parce qu'il faut retenir une chose. En fuyant les urines, on peut se retrouver sur pire. Et Dieu seul sait ce que cet homme a traversé et comment il est et tous les défauts que cette fille a eu à supporter et même cette distance qu'elle est en train de braver. Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'amour a horreur de la distance. Ça, il faut le dire. Donc, quand on aime une famille, on essaie de la ménager. Je crois qu'il y a eu des dérapages et des manquements de la part de cette belle famille qui n'a pas réussi à ménager cette femme, à créer un emploi de temps assez charnu, étouffé, pour qu'elle n'ait même pas le temps de se retrouver à des heures. Ça empêche quoi? Non, ça empêche des choses. C'est pour ça que je parle d'encadrement. Il est important de le faire et de dire à cette fille, maintenant tu n'es plus libre, tu es désormais, madame, merci. Et attends-toi à avoir ce type de comportement. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce jour. Madame, monsieur, restez. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. À tout de suite pour la colère. Je m'interroge ce jour sur la question
de la mauvaise gestion des fonds routiers au Cameroun. Le fonds routier a été créé en 1996 par la loi numéro 96-07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine national et a été régi par le décret numéro 2005-239 du 24 juin 2005 qui en fixait les modalités de fonctionnement. Le fonds routier a pris corps. Le fonds routier a réussi dès les premières heures à se démarquer. Peut-être à épouser l'esprit du décret. Mais peut-on dire à ce jour que le fonds routier assure encore le financement des programmes de protection du patrimoine routier national, des programmes de prévention et de sécurité routière, d'entretien du réseau routier ou les opérations de réhabilitation et d'aménagement des routes? Question. De l'avis des experts, non. On se trompe lourdement. Comment comprendre la mauvaise gestion faite des fonds routiers dans ce pays? Savez-vous que les 44 péages routiers actuellement opérationnels génèrent autour de 6 milliards de francs CFA de recettes par an? Que fait-on avec cet argent? Telle est la question que tous se posent. Pas tant de John Frundi, le président du SIF, à d'autres leaders de l'opposition qui ont cherché à comprendre qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du péage. D'aucuns sont allés jusqu'à demander qu'il y ait un boycott littéral des différents péages que personne ne paye plus parce que l'entrée et la sortie de certaines villes, l'accès même au péage, véritablement pose des problèmes. Comment comprendre tous ces détournements qui s'opèrent dans les méandres de cette institution? La preuve, il n'y a pas longtemps, le responsable de gestion du fonds routier a été incarcéré à la prison centrale de Bonangui. On parle de 19 milliards de francs CFA. Comment comprendre que l'État se retrouve au fil du temps à officier le fonds routier dans ce pays? Savez-vous que le fonds routier ne reçoit que 60 milliards de francs CFA par an depuis 2018 pour un engagement annuel de près de 120 milliards de francs CFA. Pourquoi l'État se bat-il à doter le fonds routier national de 60 milliards alors que l'engagement annuel tel que prévu par les bailleurs de fonds se situe à plus de 120 milliards de francs CFA là? Comment comprendre que la loi de finances de l'ensemble des ressources destinées à l'entretien routier reversées au fonds routier s'est fait en dépit des prescriptions de la Banque mondiale dans le cadre des opérations d'appui aux politiques de développement et qui fixa à plus de 100 milliards de francs CFA la capacité autonome de mobilisation des fonds ou à un minimum de 70 milliards de francs CFA. Les ressources à transférer au fonds routier pour couvrir au moins 95% des besoins d'entretien des routes prioritaires définis par le ministère des Travaux publics. Que peut-on au dire de certains responsables du fonds routier réalisé avec 60 milliards de francs CFA sur toute l'étendue du territoire national? Où va l'argent des péages dans ce pays lorsqu'on sait qu'en principe, l'argent du péage routier devrait aller au fonds routier pour être réinjecté à la route? Comment comprendre qu'au lieu d'être réinjecté dans la route, les fonds sont plutôt reversés au trésor public qui, pour certaines contraintes, l'utilisent à d'autres fins? Savez-vous que l'évolution des paiements du programme de guichet investissement a régressé au cours des 5 dernières années? Ils sont partis de 76,26 milliards de francs CFA en 2014 à peine 28,3 milliards de francs CFA en 2018. La courbe est restée régulièrement baissière, enregistrant 50,81 milliards de francs CFA au cours de l'année 2015, un peu plus de 33,7 milliards de francs CFA en 2016, et quelques 28,4 milliards de francs CFA en 2017. Comment comprendre que les usagers ne profitent pas des bienfaits des impôts qu'ils payent? Comment comprendre que la grande majorité des routes des principales villes camerounaises soient endommagées? Comment comprendre le manque de réactivité des dirigeants? Nos routes sont mal bitumées, mal entretenues, pas du tout entretenues pour certaines, et cela sous les yeux des autorités qui ne réagissent pas comme elles devraient le être. Pourtant, il y a une structure chargée de s'occuper de l'entretien, la maintenance et la construction de certaines routes, le fonds routier. Comment comprendre que le passe-temps des mairies des villes soit celui de recouvrer les nids de poules de sable, de caillasses, de terre, de pouzzolane pour faciliter la circulation, vivement, pansement inutile? Le constat est clair. Une route construite sans dispositif d'assainissement, c'est une route qui ne durera pas longtemps. À Yaoundé, par exemple, les routes sont mal conçues et mal construites.
Elles ne peuvent pas virer. À Douala, la montée des eaux détériore les rues. On a trouvé une autre spécialité, les pavés. On a littéralement bétonné toute la ville de Douala, par-ci, par-là, augmentant le taux de chaleur. Avec des mauvaises routes, les ambulances ne peuvent circuler convenablement. Les coûts de transport sont exorbitants et le pouvoir d'achat des ménages en souffre. La visibilité est obstruée par la broussaille non élaguée qui masque parfois les panneaux de signalisation. La matérialisation horizontale est intermittente et dégradée là où elle existe. Les nids de poules et d'éléphants surprennent constamment les usagers. Les ralentisseurs, communément appelés dodans, sont nus par endroits. Les barres verticales qui les signalent ont été détruites depuis longtemps. Les tentatives de replâtrage de la chaussée à divers endroits a désormais montré ses limites. La situation va s'empirant d'année en année comme un destin qui s'accomplit. Pourquoi avoir créé le fonds routier et pourquoi l'avoir tué quelques heures seulement après sa naissance? Aujourd'hui, tout est abandonné. C'est à qui mieux. En voulant esquiver un trou, c'est un bicyclette qu'on ramasse, c'est un passant qu'on ramasse. Tant pis, le fonds routier se porte bien. Mais il y a un chiffre qu'on doit contester. Parce que au MINTP là-bas, il nous signale que le réseau routier national est à près de 46% en bon état. Je ne sais pas sur quoi il se base pour dire cela. Et il précise que 26% est seulement dégradé. Et pourtant, lorsqu'on regarde le réseau routier national, on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Tous les axes routiers sont complètement dégradés à plusieurs endroits. Et si on note simplement la question des nids de poules, mais également d'autres revêtements liés à la route, on voit très bien que toutes les routes du Cameroun, malheureusement, ont un vrai problème. Alors que ce fonds routier, créé comme vous l'avez dit, Charles Lambert 96, avait donc pour but de préserver le patrimoine routier national du Cameroun, en tout cas faire en sorte d'avoir les financements qu'il faut pour assurer l'entretien de nos routes. Mais force est de constater malheureusement que les ressources financières, vous parlez de 60 milliards de francs CFA, ne sont pas assez conséquentes pour gérer tout cela. Alors bon, Bengan, quelle est votre appréciation de ce que ce fonds routier apporte réellement dans ce qu'il doit faire, c'est-à-dire l'entretien, la préservation du patrimoine routier national? D'abord, le Cameroun s'est embourbé dans ses routes. Le Cameroun a pris comme conseiller l'Union européenne pour ses projets de développement. Et l'Union européenne, qui soi-disant nous emborde les partenaires, renforce notre relation avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale et tout, nous encadre, nous a fait embourber. C'est l'Union européenne qui réfléchit pour nous. Et réfléchir pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il encadre les gens pour voler l'argent du pays. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette chose-là. On crée un fonds. C'est un peu comme on a demandé aux hôpitaux qui ont vocation sociale à faire des chiffres. Le fonds routier, on vous dit, on crée des péages et tout. Cet argent sera entré, engrangé pour réparer les routes. On sait très bien que là où il y a les péages routiers, c'est là où la route se dégrade davantage parce que les camions qui y sont, ils font des... Il y a un système de physique qui fait que ça se dégrade. Donc ça dame le gazon, le goudron. Oui. Et au fur et à mesure, ça se dégrade. Mais ce fonds routier généré par la collecte des postes de péage ne vient pas réparer. Or, on sait ça dans le projet. On sait pourquoi ne pas, parce que ça veut dire que ça va ailleurs. Il parle de nos routes. Garoua-Maroua, c'est 200 km. On le faisait à notre époque en 1h45. Aujourd'hui, on fait Garoua-Maroua en 4h, 5h, 6h même. Ngaoundéré-Garoua, on fait Ngaoundéré-Garoua en 6h. Donc complètement délabré. Dites à nos amis du ministère des Travaux publics, ils savent ça. Mais Ngaoundéré, parce qu'on commence par Maroua pour descendre, complètement délabré. Vous arrivez jusqu'à Bertois, Ayos, Yaoundé, Douala,
Si vous prenez Yaoundé par Bafoussam pour rejoindre Douala, vous voyez comment c'est bien. Ils vont donc aménager où? Mais par quelle alchimie, donc, ils nous disent que 43% du réseau routier national est en bon état. Mais sur quelle base? On ne sait pas. Justement, par le bas de tromperie avec les amis de l'Union européenne. C'est pour ça. Et après, parce que peut-être les ambassadeurs de l'Union européenne ou tout ça se sont embourbés à la sortie de Yaoundé, disent qu'on va faire le contournement à Yaoundé. Oui. Alors qu'on n'a pas terminé les entrées est et ouest de Douala. Désengorgeons Douala par les anciens projets qui datent de plus de 10 ans. Par exemple, pont du Vouri, échangeur de Bekoko, ça date de plus de 15 ans. On n'a jamais refait la route. Pont du Vouru, alors prenons même Borné d'ici à ça, jusqu'au pont de la Dibamba, ça date depuis plus de 20 ans, on ne fait rien. On pensait que la phase finale de la Coupe des Nations allait amener la réflexion de cette route, rien du tout. Donc vous faites Douala, Yaoundé, donc à partir de Oudia, par exemple, jusqu'à Yassa, en 2h30, mais pour entrer à Douala, vous faites 4h. De la même manière, vous quittez Douala pour Yaoundé, vous arrivez là, vous faites 4h pour arriver à Yaoundé. Donc, désengorgeons d'abord ce qui est là par le fonds routier, parce que les postes de péage existent toujours. D'accord. Bon, bon. Voilà, au lieu de nous endetter davantage, laissez cet argent, pardon, ne faites pas comme vous avez fait là avec les examens. C'est-à-dire, on a même pris l'argent des examens, on a bouffé. Il a fallu que OTS vienne pour dire que, ah oui, l'argent que les enfants avaient mis là pour le BPC, le probatoire, le baccalauréat, on a même bouffé ça. Bon, le président de la République paye. D'accord. Quand même, oui. Soyons un peu sérieux. Alors, Dominique Audrey, le fonds routier est un organisme, ok, de financement et de paiement des prestations d'entretien routier. C'est bien défini, c'est clair et net. Il n'y a pas ambiguïté, il n'y a pas d'ambivalence. Voilà. Donc c'est clair, organisme de financement et de paiement des prestations. Donc il finance d'abord ses prestations, ensuite il paye ses prestations d'entretien routier. Donc c'est clair et net, il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas d'ambivalence. Mais sauf que quand on regarde sur le terrain, dans la pratique, comment se fait-il qu'on en soit encore à avoir des routes autant dégradées? Simplement parce qu'il n'y a pas eu de financement ni de paiement de prestations. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé à faire des réparations. Parce qu'il faut savoir que la route, je ne maîtrise pas trop le jargon, c'est un peu technique. La route a des niveaux d'entretien selon la bourse. Selon ce qu'on a, on peut faire une réparation localisée. Ça veut dire qu'on arrive ici à Ange-Raphaël, le carrefour qui a plusieurs... voilà. On arrange à cet endroit-là, ou alors on fait un renforcement progressif, c'est-à-dire on remet une couche sur ce qui existe déjà, ou voilà. On fait un renforcement de structure. Bon, c'est la géotechnique. Oui, oui, oui. Je crois que eux, ils vont... Mais ce que vous dites est intéressant, parce qu'après, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que entretenir une route se résume à venir boucher les trous. Non. Il faut bien qu'on se comprenne. Ils ne le font même pas. Oui, donc non, parce que généralement, lorsque... quand tu as trop parlé, avec un petit gravier, et puis voilà. Oui, il y a un entretien préventif qui se fait. Oui. Vous regardez, peut-être c'est parce que chez nous, on n'a peut-être pas cette pratique. En France, si un usager va se plaindre auprès des institutions que lorsque j'étais sur telle route départementale ou communale et j'ai eu un problème avec ma voiture à cause de la route, la mairie ou bien le département peut être attaqué et assumer les réparations de ce véhicule. Je ne sais pas si chez nous ça se faisait, il y aurait ça. Il y a un entretien préventif qu'on fait sur la route. La route a un temps d'âge. Passé cet âge-là, il faut pouvoir revenir étudier encore la structure. Est-ce qu'on a déjà des failles? Est-ce qu'on a des fissures ici? Est-ce qu'on a? Je crois que si les techniciens chargés de gérer les routes
faisaient effectivement leur travail, je crois qu'il y aurait des prestations qui se multiplieraient. Malheureusement, Charles a même fait la mention selon laquelle le budget est moindre. Oui, mais même avec ce petit budget-là, on a de la peine à voir ce qui est fait sur le terrain. Mmh. On peine même à voir au moins des gens sur le terrain venir dire « Ok, on s'est rendu compte qu'ici, on a ça. Comme on n'a pas d'argent, on peut utiliser tel palliatif le temps de pouvoir avoir des fonds. » Mais si le fonds routier se rend compte que l'argent qu'on leur donne n'est pas suffisant pour pouvoir réhabiliter une route, la route de Douala-Bafoussam, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas qu'on fasse un ajout en présentant « Nous sommes allés sur le terrain. On s'est rendu compte que pour arriver à aider à tel niveau, ça ne va pas. Il y a trop de crevasses. » Ou bien à Bamban, c'est à Bamban où il y a eu le récent accident. À ce niveau, à l'est. Voilà, on s'est rendu compte que là-bas, les nids de poules, ce sont les nids d'éléphants déjà. On ne peut plus. Et nos caisses ne nous permettent pas. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une main levée? Parce que je crois que si le, le président peut faire des mains levées... Et d'ailleurs... Vous faites très bien de faire cette précision. Oui. Il ne faut pas qu'on confonde entretenir une route et refaire une route. Parce qu'après, il y a des routes, clairement, où on n'est plus au stade de l'entretien. Hein. Il faut complètement tout casser et tout refaire. Donc, c'est aussi important. Il y a également un élément, et là, je vais demander à Isabelle Carole Zoupette, sur est-ce qu'au final, en dehors des insuffisances que nous notons ce matin sur l'efficacité de ce que fait le fonds routier au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas aussi à interroger la qualité à la construction des routes? Est-ce que les entrepreneurs qui construisent nos routes font dans les règles de l'art? Est-ce que le bitume, le centimètre de bitume est respecté? Est-ce que le matériau, les normes sont respectées? Parce que après, il y a des routes qu'on construit au Cameroun et qui se dégradent très rapidement. On l'a vu, la route des Chinois, là. Permettez-moi l'expression, c'est pas péjoratif, je veux juste dire que a été construit par les Chinois, là-bas, entre Yassa et Niala Château. Cette route a été construite et à peine 6 mois, c'était complètement dégradé. Donc il y a aussi, Isabelle Carole, ce point-là à relever, vous ne pensez pas? Je crois que la plupart des routes dans ce pays sont goudronnées sur du papier. C'est-à-dire que c'est sur les plans, comme vous dites, tel axe ou tel autre axe est goudronné. Peut-être c'est ce qu'on présente au chef de l'État, qui a l'impression que lorsqu'on parle du réseau routier sur l'ensemble du pays, vraiment qui est complètement à refaire, il a l'impression que c'est peut-être des chaînes de télévision qui veulent simplement ternir l'image du pays, parce que ce qu'il a comme rendu ou alors comme rapport fait, c'est que ces routes soient goudronnées. Les durées de vie des routes, c'est-à-dire que bitumées et tout au Cameroun aujourd'hui sont à interroger, parce qu'il ne suffit pas de dire « Ok, d'accord, on est parti sur tel tronçon et on a pu faire une réelle mise à jour. » Non. Allez regarder combien de temps mettent ces routes. À peine construit qu'on a déjà des creux. Ça commence par de petits creux là et après ça devient des nids de poules et ça finit par être des nids d'éléphants. Est-ce qu'il faut relever par la suite que c'est à l'origine de tellement d'accidents qu'on se dit mais comment des personnes réussissent à être insensibles face aux douleurs des autres? Parce que rien que le nombre d'accidents qu'on a sur nos axes routiers, je ne dirais même pas par an, mais allons même par mois, c'est suffisamment inquiétant pour dire à ceux qui sont en charge soit de démissionner, soit vraiment d'être motivé à refaire ses routes. Mais si on parle des personnes qui ne prennent même pas sur elles, de venir simplement rembler pour dire « Ok, d'accord, que la circulation au moins soit dans une certaine mesure. » Et qu'on laisse là, et ça ne gêne personne. Et qu'on parle quand même des fonds routiers, où il y a de l'argent qui soit décaissé uniquement pour l'entretien. Ça veut dire qu'eux, ils sont là pour faire une veille. Mais à côté, il y a d'abord des personnes qui construisent. Vous voyez qu'ici, les responsabilités sont partagées. Parce que ceux qui sont là pour construire ces routes doivent d'abord bien le faire. Et par la suite, qu'on vienne entretenir. Voilà. Et faciliter, si déjà la route d'abord à la base n'est pas construite en bonne et due forme, ne respecte pas les normes, ben, il est clair que même au niveau de l'entretien, on aura du mal à le faire. Mais je crois qu'on a simplement des personnes qui sont habitées par une désinvolture, qui viennent depuis le haut et qui se disent « Ok, d'accord, on est contaminé par ça. » Et même si on ne le fait pas, on ne sera en aucun moment réprimé pour ça.
D'accord, très bien. Seulement. Isabelle, Carole. Alors, Chalamel, quand on voit hein, les chiffres qui sont avancés par le fonds routier, plus de 700 milliards de francs CFA injectés dans le circuit économique, ça, ils s'en vantent, hein, ils se galarisent un tout petit peu, ils se bombent le torse. Plus de 1500 entreprises, dit-il, de BTP financées. Donc, ils ont financé des entreprises de BTP, ils en font un bilan positif de leur action depuis 1996. Plus de 8000 projets financés dans le cadre de l'entretien routier. Alors, quand on regarde ces chiffres qui sont mis en avant par ce fameux fonds routier, et que ce matin, vous relevez le manque de financement, est-ce qu'on doit considérer que c'est cela le principal problème? J'invite tout simplement les Camerounais à s'octroyer le projet, la loi de finances 2022. C'est tout. La réponse à tout ce que vous dites, prenez la loi des finances 2019, 2020, 2022. S'ils n'ont pas, ils peuvent se rapprocher, on va mettre ça à leur disposition. Vous allez vous rendre compte de ce qui est accordé au fonds routier. Oui. C'est 60 milliards. Si j'ai donné 500 millions à 10 entreprises, 20, 30 entreprises, ça fait combien? C'est 60 milliards. Mais j'ai aidé. J'ai aidé. Alors, on va venir se gargariser, chacun veut se gargariser pour se maintenir là où il est, qu'on a fait ci, on a fait ça, on a fait. Je vous prends un exemple. Vous voyagez tout le temps. Et lorsque dans vos déplacements, je sais que vous avez fait 3 semaines de déplacement, vous vous êtes rendu compte que de Douala jusqu'à Bafang, la route est constamment obstruée par des herbes, des mosquées. Au virage, il y a une absence de visibilité. C'est le fond routier. Oui, c'est le fonds routier. J'ai dit le fonds de cantonnage et tout là, ils ont mis à regarder. C'est nettoyé? Non. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas élagué? On ne prend pas la peine d'élaguer. On abandonne. Dans l'esprit du ministre Issa Tiroma, parce que c'est lui qui avait implémenté la question du péage routier. Vous vous rappelez, c'est le ministre Issa Tiroma oui, qui avait monté ce dossier en son temps, qui avait monté oui. ce dossier, qui a été validé plus tard. Il était question que chaque zone et région qui bénéficie, on va le dire, des péages, que l'argent collecté aide à l'aménagement, la réhabilitation, la construction de ces différents axes routiers. Aide exclusivement. Exclusivement, oui, exclusivement, merci de la précision. Oui, parce que... Ces différentes régions. Oui, oui. Ça veut dire que les fonds générés par les péages de l'Ouest, tous les axes, les projets à venir, on oriente à l'Ouest Cameroun, cela soit fait. Le péage du centre, le péage de l'Est, le péage du Nord, extrême Nord, horizon orienté, cela va faire en sorte que, on va le dire, on évite de se perdre. Il avait ajouté en termes de bémol, le ministère des Travaux Publics pourra, avec le concours du gouvernement, ajouter un plus pour pouvoir permettre et éviter qu'il y ait des régions qui soient au-dessus de l'autre région. Je crois que le projet était savamment bien pensé au départ. On a vu, lorsqu'on est de 95, de 96 à 97, on a vu les milliards qui rentraient. 97, 98, 99, on dit, mais cette affaire peut générer l'argent. On a commencé à ouvrir les yeux parce qu'il faut dire que c'était un comité interministériel qui gérait d'abord ces péages à l'époque. Oui. Après ça, on a enlevé, on a dit non, il faudrait qu'on voit une structure. On a créé le fonds. Le fonds, le fonds a commencé à gérer. Le fonds a commencé. Le fonds nous tient. Lui-même, avec un administrateur. Et, il a commencé à gérer. Oui. Le fonds a commencé à gérer. Oui. On a vu les premiers travaux. Tout le monde s'est mis à applaudir en disant effectivement, c'était la solution qu'il fallait pour nos routes au Cameroun. Oui. Mais maintenant, on se lève, on dit non. Unicité des caisses. Unicité des caisses. Tout l'argent généré à gauche et à droite rentre dans une seule caisse. Et lorsque ça rentre, l'ordonnateur, le seul ordonnateur, ne tient plus compte des priorités, ne tient plus compte des job descriptions de ces différentes structures, oriente l'argent là où il veut. Quand on commence à se plaindre, il dit non, bon, on peut enlever 60 milliards, on peut voir, on envoie à l'Assemblée nationale, loi de finances, on prend 60 milliards, on jette. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les ralentisseurs, c'est tous les 6 mois qu'on doit changer les panneaux. Il y a une bagarre entre les usagers et les gars des radars, les gars de la prévention, parce qu'il y a des endroits. Eux, ils connaissent qu'à tel endroit, il y a un radar, ils vont se cacher là. Mais il n'y a pas de panneau de signalisation qui est censé dire... Limitation là, de vitesse. Limitation de vitesse. Oui. Les panneaux sont tombés, les panneaux sont couchés. On avait dit même les ralentisseurs.
les ralentis, c'est ce qu'on appelle les donades, oui. ne sont pas avertis, les panneaux annonçants. Vous vous rendez compte que le fonds routier a littéralement abandonné. Mmh. Il faudrait donc qu'il y ait un collectif qui se lève pour porter plainte au fonds routier. Pas à l'État de Cameroun, mais au fonds routier, parce qu'il y a une mission qu'on a confiée. Pour engager sa responsabilité sur tout ce que subissent les usagers de la route en termes de désagréments et accidents et tout le reste. Merci Chalamel. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de votre magazine 10-12 des élites. On marque une courte pause. À tout de suite.